Bonjour à tous, c'est Furissam. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA Online car il y a une mise à jour. Donc, du coup, on va. Pardon, c'est par là. Excusez-moi. Donc. Allez. Là, on va monter, on va prendre l'hélico. Donc, il y aura des nouveaux véhicules, pardon. Et voilà, justement, mon chou, j'ai entendu dire que tu aimais conduire. Tu n'as pas entendu parler de salon auto de LS. C'est un endroit. Donc, on va y aller. Donc, on va prendre l'hélico et on va y aller de suite. Donc, je vais vous faire voir où c'est. Donc, hop. Là, je suis dans mon... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Non. Ah, désolé. Voilà. Donc, c'est là. Normalement. Tiens, c'est pas là. Attendez. Parce que là, c'est bizarre. Info. Le salon est maintenant ouvert. Rendez-vous à 6 passe-fois pour y découvrir l'univers du salon auto et y acheter une carte de membre afin de vous forger une réputation. Ben ouais, mais je veux bien y aller, mais je ne le trouve pas. Donc. Voilà, hop. Ah, mais. Voilà. Ah si, ça y est, il est là, vous voyez, c'est là, donc on va y aller de suite, on va mettre un point dessus, excusez-moi, pourquoi je peux pas mettre de point? Ah oui, parce que je suis à l'intérieur, ok, donc du coup, là, on va sortir, et on va, du coup, aller, voilà. Du coup, maintenant, hop, il est là. Voilà. Allez, maintenant, on y va. On va aller visiter l'entrepôt. Et après, il faudra acheter un garage. Du coup... Ils font chier ces moustiques de merde là. Allez. On est. Ça va, on n'est pas beaucoup. Voilà, là on va commencer à ralentir, à atterrir, parce qu'on approche. Du coup... Hop, on va atterrir, on va... On va atterrir là. Voilà, hop. C'est juste là, vous voyez. C'est ce grand bâtiment là. Donc allez, c'est parti du coup. On rentre dedans. Magnifique bâtiment. On dirait pas qu'on peut rentrer dedans. Mais si. Du coup. On va aller regarder le... On va regarder le truc. Des belles voitures quand même. Même celle-là est magnifique. Avec tout le monde dessus. Oh yo, calme-toi toi. Ça va et toi? Oh Benny. Ça va Benny?
Elle est belle sa voiture. Oh Mimi. Allez, c'est les ennuis. You talk some shit, but he right. Only gunshots you gonna hear in here be some fool's burble tune. Look around all you like. See some cars, meet some people, get wild. Je... If you wanna get involved with any of the facilities, you gotta sign up with my girl. Okay. Come find me here. Oh shit. C'est qui ça? Ouais. Alors, allez, on va un peu visiter et après on va acheter un entrepôt et on va voir s'il y a des nouveaux véhicules. Logiquement, il devra en avoir, je crois, 12, il me semble. Donc, on les achète, on va les acheter. Allez. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Ah, enfin. Ok, je m'amuse. Ok. Donc, voilà. Du coup, alors rendez-vous sur le site Foreclosure pour passer en revue les ateliers auto et en acheter hein, si vous avez. Vous aurez ainsi suite une nouvelle activité proposée par KDJ et C-Santa. Ok. Du coup, elles sont magnifiques les voitures. Ouais. Acheter une carte de membre auprès de Mimi pour accéder à tous les services du salon auto de l'LS et à des courses qui vous permettront de vous forger une réputation et améliorer votre réputation pour débloquer les tarifs spéciaux sur des véhicules et acheter des articles exclusifs. Ok. Ah oui, elle est là, Mimi. On va lui acheter une carte déjà. Acheter carte de membre, 50 000. Voulez-vous vraiment acheter une carte de membre du salon auto de LS? Oui. Voilà. Donc, le contrat un homme intérieur. Ouais, bon. Et un nouveau véhicule récompense est disponible. Un défi du véhicule récompense. À partir du menu interaction. D'accord. Donc. Alors. Elle est vraiment belle celle-là. Donc, salon auto de LS, invité au salon auto de LS, défi du véhicule, récompense. Terminé dans le top 3 pendant 3 jours d'affilée. Ouf. C'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Après, option du véhicule. Portes ouvertes, position de toit, position du véhicule, suspension hydraulique, option distance, accès, option de prise de contrôle, bannière blanc mat, éclairage blanc neige. Ok. Donc, ok, ok, ok. Ah oui, niveau de réputation, comme vous pouvez le voir en bas, à droite. Donc, niveau de réputation, on est au 1. Donc, on n'a pas beaucoup de répute. Du coup, on va sortir de là. Si j'arrive à sortir, à trouver la sortie. Ça doit être par là-bas. Non? Là-bas. C'est quoi là? Est-ce que là, c'est une sortie? Ah là. Quitter le salon.
Donc, on va quitter le salon, regarder les ateliers, et après on va y aller directement. Allez! Ah, ça c'est chiant, c'est long. Ah, voilà. Du coup, Madame Baker, ouais, je m'en fiche. Alors, non, c'est. Faut que je sorte mon téléphone, Internet. Donc, c'est dans ça. Hop. Alors, on va mettre atelier auto seulement. Voilà. Du coup, ouais, il n'y a que au sud, quoi. Il n'y a que dans le centre de la ville qui a des trucs. Alors, voilà. Alors, grâce à des bonnes connexions aux routes principales, cet atelier auto a beaucoup de potentiel. De plus, il se trouve dans l'une des zones commerciales les plus huppées de l'État. Certes, vous n'aurez aucune vue sur le monde extérieur, mais cela vaut. Mais cela vaut mieux ainsi. Merci. Alors, après. Cette propriété possède un accès direct à l'autoroute, ce qui conviendra parfaitement aux conducteurs de véhicules abîmés qui cherchent à fuir le chaos de la Mesa et aux conducteurs responsables du chaos de la Mesa. Ouais. Nous vous recommandons d'investir dans un espace personnel pour éviter d'avoir à traverser votre quartier pittoresque. Les chefs d'entreprise respectueux des lois seront ravis d'apprendre qu'un commissariat se trouve à proximité. Vous respectez les lois, n'est-ce pas? Pas mal pour Chambéry, elle restera gravée dans ma mémoire et ses stupéfiants sont quelques-unes des impressions laissées par la propriétaire de Flint aux autos. Et enfin, il n'est pas central, ni sécurisé, ni propre, mais c'est l'atelier du tuning le plus proche du salon auto. Ouais, donc, nous on va prendre celui-là, 1,9 million. Donc, allez, style. Donc, il y a celui-là, il y a celui-là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Là, il y a quelques petits dessins à terre. Il y a celui-là. Il y a celui-là qui est pas mal avec la route infinie, là. Ce qui est pas mal. Il y a celui-là qui est pas terrible. Celui-là est pas mal aussi. Et celui-là aussi est pas mal, comme la jaquette de... Excusez-moi, de GTA. Donc moi, je crois que je vais prendre celui-là. La teinte. Jaune. Tout blanc, noir, rouge, orange, vert, violet, rose, bleu, violet. Nous, on va prendre en rouge, c'est pas mal. L'emblème. Alors, l'emblème, on va peut-être prendre l'emblème du crew. Comme ça, hop. De nos jours, les marques recherchent un notoriété. Et c'est pareil sur la scène d'un crew. Pour ça, il suffit d'afficher le nom de votre crew dans les ateliers. Voilà, on va faire ça. Personnel. Donc, gérer un auto n'est pas de tout repos, vous risquez d'avoir de trop. Ouais. Bon, on va mettre les deux, du coup. Et supplément. Installer un espace personnel avec une garde-robe, une armurerie et un lit pour vous reposer tout en vous laissant bercer par les bruits des réparations. Un deuxième pont élévateur vous permettra. Ok. Carte de membre, du coup, je l'ai acheté. Et en tout, ça va nous coûter 4 257 500. Donc, on fait. Du coup, on achète. Là, on voit tout ce qu'on a acheté, donc avec le fond, le dessin et tout. Du coup, allez, on va aller visiter. Donc, merci. Du coup, hop, on va. On va voir s'il y a comme mon hélico là-bas. On va aller, voilà, directement à moi. On va aller, hop. Là, le LS, donc on va pas là. Allez, on reprend notre hélico. Allez, sur Legendary Motorsport et soutien San Andreas. Ok, alors il est là notre atelier auto. Ouais, on va aller. Oh, pourquoi je peux pas? Bon. Ouais. Allez, on va aller là-bas. On va aller directement là-bas. Du coup. Où aller? J'ai pas vu.
Ça va, on n'est pas loin non plus du LS. Voilà, hop, on va atterrir. Non, c'est après le pont. Voilà, c'est là. Du coup, on va atterrir. On va atterrir là. On va se garer là. Hop, allez. Et on va directement rentrer dans notre atelier et après on ira voir les véhicules qu'il y a. Allez, c'est parti du coup. Hop, voilà notre atelier. On va voir ce que ça donne. Alors, voilà. Voilà notre atelier. Pas mal. Il est où le logo? Oh, qu'est-ce qu'ils font là chez moi, eux? Ouais. Ben, il est où mon logo là de... Ah. KM. Alors, il n'y a pas les... Je vois pas déjà le logo. Je sais pas où il est. Peut-être dans une autre pièce. Ouais. Allez, ah ça y est. Bon, on va d'abord visiter, hein. Donc là, c'est notre bureau. Ouais, d'accord. Là-bas, il y a quoi là? Ok, c'est un petit truc comme ça. Par contre, je ne vois pas où il est notre logo. Je vais voir en bas. Donc, du coup, là c'est pour repeindre, d'accord. Ok. Ah oui, c'est un grand quand même atelier. Ok. Ok. Du coup. Pas mal du tout. Allez, on va se mettre comme hop, voilà. On va faire la première mission et après on va voir les nouveaux véhicules. Si je meurs pas de suite, logiquement ça devrait être facile. Allez, c'est parti du coup. Le commissariat, oui, je vais rejoindre, t'inquiète pas. Je prends juste mon hélico pour y aller plus vite. Tu vas sans après. Une fois j'y suis dessus, après je serai tranquille. Hop. Ah, par contre, il est loin le commissariat, oh. Je
pensais que c'était toi qui étais à côté. Oh. Ah non, ça y est, j'arrive. Donc, on va atterrir. Ah, oh, punaise, ah ouais, c'est chaud. Oh, il est chaud cette mission. Elle est très chaude cette mission, punaise. J'ai bête pris pu tuer tout le monde, mais. Allez. Allez, vite, 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 vite. Oups. Ouais. Là, faut que je prenne l'autoroute. Ah ben non, c'est bon là. C'est magnifique. Ouais, c'est, je sais où je vais. Non. Tant pis. Je sais, je me suis trompé. C'est pas grave. Voilà, c'est là. Hop, pour planquer, pour me partir des flics. Voilà. Allez, et voilà, là je suis planqué. Allez. Allez, barrez-vous. Allez, 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 allez. Voilà, c'est pas possible. Ils vont pas se barrer. Voilà. C'est bon. Allez, maintenant. On ressort et on retourne à l'atelier. Pardon, monsieur. Voilà. Allez. Livré à Cécenta, l'atelier auto. Voilà, moins là, on est bon. Allez. Et après, on pourra aller voir les nouveaux véhicules et les customs. C'est là-bas. Ah ouais, c'est vraiment pas loin, quoi. C'est là à côté. Et voilà. Et voilà, j'ai réussi la première mission. Ça va. Facile. Si, si, c'était facile un peu, quand même.
Voilà. Est-ce qu'elle est neuve ou pas? Oh, mon chapeau, il est où? Oh, de la coque. Allez. Ouais, dis-moi. Ouais, c'est de la drogue. Ouais, allez. Ouais. Ça, on le fera dans une prochaine vidéo, l'émission. Là, je vais peut-être arrêter cette vidéo-là et en faire une autre de suite pour vous présenter les véhicules. On va voir. Déjà, on va voir combien il y en a. Alors, ça, on va le faire plus tard. Donc, du coup, on va rester là. Alors, on va sortir le téléphone. On va aller sur Internet. Donc, il y en a là, normalement, des nouveaux véhicules. Voilà. Donc, disponible dans Tuning à Los Santos. Donc, il y a la Duster Jester, Dinka Jester, pardon. Il y a l'Anis ZR 350, l'Anis Euro, et il y a la Obey Tailgater S. Déjà, il y a ces quatre là. Et après, argent, non, c'est là. Donc, du coup, Legendary, on a vu, et c'est là. Ah non, c'est pas là. C'est là. Hop. Là, il y a la Vapid Dominator. La Karin Futo GTX. Il y a la Anis Remus. Donc, la Karin Calico. On va tous les acheter de toute façon. Donc voilà, il y en a 6. Et 6, ça fait 12. Donc du coup, on va commencer par cela déjà. Donc, disponible dans Tuning, la Vapid Dominator GTT. Donc, on va la prendre en rouge. Là, on peut pas puisque... Ouais, d'accord, c'est pas grave. On va l'acheter pour 1 220 000. Donc, on l'achète. On va la mettre... garage de fonction 3. Garage de la suite. Non, on va le mettre... On va le mettre là. Garage de fonction 3. Là, il y a combien? Attendez. Dépôt de l'atelier auto. Et hop. On va voir combien il y en a. Donc, on l'achète. Donc, du coup, après, on va acheter celle-là. On va le mettre en rouge, pareil. Donc là, on peut pas. Hop, on l'achète. Voilà. Après. Alors, on va l'acheter la Ranis Anis Remus. Donc là, pareil, on peut pas l'acheter. Donc, hop, voilà. Alors après, il y a la Karin Calico GTF. Donc pareil, on choisit toujours en rouge. Voilà. Après, du coup, il y a la Vulcar Warrener HKR. Donc pareil en rouge.
Hop. Voilà. Et enfin, la Dinka RT 3000. Donc, on va l'acheter en rouge. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon. Du coup, on va aller dans Legendary Motorsport. Pareil, on va tous les acheter. Donc, en rouge. On va l'acheter comme ça. Donc, du coup, hop, on l'achète. Pareil pour la Nice ZR 350. Hop. Voilà. Maintenant, la Anis Euros ou Euro. Du coup, pareil, hop, on la commande. Voilà. Après, il y a la Obey Tailgater S. Pareil, en commande. Voilà. Après, il y a la. Ah ben non, c'est tout, du coup. Donc il y en a 4, ça fait 10. Il me semblait qu'il y en avait 12. Là, est-ce qu'il y en a? Je crois pas. Non, c'est pas là. Stock. Non, là, il y en a pas de plus. Par contre, on peut améliorer la GTB. Fais voir. Ah oui, elle était pas mal. Du coup, après, là, de toute façon, il n'y a pas. Les gendarmes, on a été voir. Pardon. Du coup, là, il n'y a pas. Donc là, il n'y a pas non plus. Hein. Caio Perico, non. Et enfin, les pédales, là. Il n'y a pas de nouveau vélo. Voilà. Donc, là, tous les véhicules sont arrivés. Logiquement. Donc on va commencer par celle-là. Non, on va commencer par celle qui est là-bas au fond. La première là. La Rapide Dominator GTT. Hop. Est-ce qu'on peut... ouais. Ah, on peut pas... Ah, on peut pas, dommage. Je pensais qu'il y avait un atelier là pour réparer. Ah, c'est dommage. Hop, ah, voilà. Ok. Donc là, il y en aura deux autres. Donc on va attendre que tout le monde arrive. Voilà, normalement, on a les 10. Alors ça fait 3 et 2, 5. 4, 5, ça fait 10. Voilà. Donc, du coup, si je remonte dedans maintenant, est-ce qu'on peut améliorer ou pas? Ah non, on peut pas améliorer. C'est dommage. Je suis obligé de sortir. Ah ouais, je suis obligé de sortir pour améliorer. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Franchement, où il y a une LS, par contre, maintenant. Ah, Palmas récupère le matériel du DJ. Pourquoi je vais pas le faire ça, je m'en fiche. Là. Voilà. Je m'en fiche de ça. Du coup, ça va, c'est pas loin. On va voir les nouvelles améliorations. Ah, mais... Attendez, on va... En ligne. Paramètres. Ici, mais vous avez pas pu vous les appliquer même sur les marocains. Non, c'est pas là. On va trouver une nouvelle session et... Attends, par contre... Parce que là, ça me saoule.
Donc on va trouver une nouvelle session. Et attendez, déjà. Hop. C'est où? Masky score, rang fini joueur. Apparition, voilà. Atelier auto, voilà. Bon, ça va. Donc, du coup, on va trouver une nouvelle session pour pas faire la mission là. Et on se retrouve de suite. Donc, nous voilà dans une nouvelle session. Ah oui, c'est là, sur la table. Regardez. Hop là. Là. Ok. Alors. Il me manque un véhicule, mais bon, il doit être dehors. C'est pas grave. Allez, on va prendre celui-là. Ah ben là, je peux. Voilà. Du coup, c'est bon. Alors, blindage, on le met à fond. Bien sûr. Les freins, pareil. Châssis, fais voir les changeurs. Ah oui, d'accord, c'est là. Ouais. On va mettre celui-là. Portière. Ah oui, c'est un déflecteur. Couleur 2. En carbone, je vais mettre couleur 2. Phare anti-brouillard. Ah, c'est en bas. Phare anti-brouillard jaune. Phare de rallye. Phare de rallye MK2. Pare-choc anti-brouillard rallye. On va mettre celui-là. Arceau de sécurité, ben, on va le mettre intégral. Donc voilà. Donc là c'est bon. Moteur. Bloc moteur. Donc on va mettre couleur 2. Voilà. Protection courroie. Allez, c'est là. Ok. Ouais. Ah. Rouge, ça serait pas mal. Rouge, il est pas mal comme ça. Voilà. Barre anti-rapprochement. C'est où ça? Ah, c'est ça. D'accord, ok. En carbone, moyennement poli. En titane, triangulaire. On va mettre celui-là. Il est pas mal. Filtre à air. C'est où? Et où le filtre à air? Ah, c'est là, sur le côté, ok. Couleur secondaire. On va mettre couleur secondaire. Réglage du moteur, on va mettre à fond. Voilà. Échappement. Alors. Échappement à bout chromé. Échappement de titane. Ah oui. Gros échappement. Échappement en titane, échappement à bout avec un cœur, c'est marrant ça. En V, angle, biseauté. Non, ça c'est trop, ça c'est trop ça. Ah ouais, là c'est vraiment trop ça. Ah ouais, je vais prendre un petit cœur là, il est où? Voilà, celui-là il est marrant. Les ailes, alors élargissement rétro, couleur 2. Non, on va mettre couleur 2. Les phares. Œil gauche fatigué, œil droit fatigué, yeux fatigués, somnolent. Les yeux somnolents. Ah, on va mettre les yeux somnolents. Ça a l'air pas mal. Capot. Couleur 2 secondaire. Carbone, relevé. Ah oui. Là, on voit mieux. Ventilé. Capot sport, il est pas mal le sport. Le sport, il est pas mal. Transparent. Ah ouais. Pas mal, transparent. On va mettre transparent couleur 2. Et pas mal en transparent. Ça fait pas mal. Le klaxon, on s'en fiche. L'habitacle, tableau de bord. On va mettre. Ah oui, c'est là. On va mettre en carbone.
Le siège. On va mettre des sièges baquets direct. Voilà. Le volant. Alors, je crois que je vais mettre Ali Pro. C'est le mieux celui-là. C'est les mêmes que les autres. Donc, on va pas changer. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux trucs, hein. Kit néant, support néant. Hop, là on va mettre crew. Voilà. Là c'est bon. Motif. Ah, les motifs. Ouais. Ouf, non, ça fait pas beau. On va peut-être attendre les plaques. Plaque, porte-plaque. Tu vois les porte-plaques? Plaque, ok. Hop, plaque barré. C'est pas mal ça. Hop. Plaque d'immatriculation. On va mettre Fury Sam. Non, pas barré. Voilà. On va le mettre, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi c'est barré? Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. Peinture. Couleur principale. Mat. On va mettre en rouge. 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 Non, pas en mat. En métallisé. Rouge racing. Rouge sang. Je sais plus. Voilà. Voilà. Rouge Torino. En couleur secondaire, on va mettre en métallisé jaune. Jaune racing. Voilà. Après, couleur finition, on va mettre intérieur du jaune racing. Pareil. Couleur détail. Là, on va mettre en rouge. Rouge Torino. Voilà. Emblème de crew, on va le mettre. Voilà. Le toit. Prise d'air. Ouf, coffre de toit héros. Ouais. Non, on va mettre avec la prise d'air. Panneaux latéraux. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Hop. Back caisse, on va le mettre. Comme ça. Aileron. Ouais, c'est pas des nouveaux. On va en mettre un petit. Pare-soleil. On va mettre celui-là. Suspension, on la baisse à fond. Transmission, on le met à fond. Turbo, on le met. Les roues. On va les laisser comme ça, les roues. Les vitres, on les teinte à fond. Les rangs de fenêtres. Ah oui. On va mettre en couleur 2. Pare-choc. Pare-choc arrayé avant. Ouais. Celui-là est pas mal. On va les mettre comme ça pour l'instant. Pare-choc arrière. Juste un peu. Hop. Accessoires. Avec un petit cœur. Voilà. Du coup, voilà. Donc, voilà. Hop. Retour. Voilà, déjà, le premier est fait. Donc, on fera les autres là, sur la prochaine vidéo. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. À laisser un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. À partager et à commenter. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!